Bonjour à tous et bienvenue au festival Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui notre équipe au grand complet avec des mines réjouies comme vous pouvez le voir car nous sommes le soleil dans la tronche. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui et nous sommes ravis. Nous allons passer un super festival. Tout le monde s'entraide avec tout le monde va voir ce que font les autres, s'encourage, se donne des conseils et c'est tellement inspirant. Sur ces deux jours pour présenter notre nouveau court-métrage. Et sur ce festival, ce que je préférais, c'était les concerts. Je trouvais que c'était assez sympa parce que il y avait plein de talents qui faisaient plein de choses différentes. Alors j'ai trouvé ça très enrichissant. Ça nous a permis de découvrir plusieurs choses, comme les tableaux qui sont derrière nous, plein de trucs d'art qui sont très intéressants. Le mieux, enfin ce que j'ai le plus retenu, c'est vraiment la diffusion du court-métrage, parce que pour moi c'était la première fois que je le regardais. Et ça fait du bien de se voir dans un festival comme celui-là, où il y a énormément de gens qui viennent se produire. Très vite, les gens de la radio nous ont proposé de venir avec eux, de parler, de présenter notre projet. Et je trouve que ça symbolise bien l'esprit du festival qui est vraiment sympathique. Et après, je retiendrai aussi quand même le moment où on est passé à la radio parce que c'était vachement cool. Et pareil, il y avait une scène ouverte de slam. Du coup, j'avais écrit un texte, j'ai pu prendre part à la scène ouverte, faire un petit tournoi. Enfin, c'est hyper agréable, c'est très convivial. Le festival, je retiendrai tout d'abord les spectacles de danse parce que il y avait chaque style différent, il y avait une grande variété. C'est toujours intéressant de voir les différentes activités que font les lycéens de notre région, que ce soit de la danse, du cirque, du cinéma. Ou de là, on ne se rend pas forcément compte au premier abord que tous ces lycéens sont capables de faire quelque chose comme ça. C'est un super festival, on espère qu'il va continuer parce que cette année encore, il s'est agrandi. Il y a le Polar par exemple qui est venu s'ajouter et donc on espère vraiment qu'il va continuer. Warning.